Mesdames et messieurs, bonjour. À 4 jours du week-end de Pâques, l'actualité politique française ne se ralentit pas et c'est évidemment le référendum sur l'Europe qui continue de fournir la une de cette actualité. Cet après-midi, par exemple, les radicaux vont réunir leur bureau pour déterminer leur position. Et puis, par ailleurs, on a le sentiment que la polémique entre socialistes et communistes a tendance à rebondir. En effet, les communistes, vous le savez, avaient décidé la semaine dernière de se prononcer en faveur du non au référendum. Et dimanche dernier, le Parti socialiste, sous l'impulsion de M. François Mitterrand, avait, lui, pris position en faveur du refus de vote. Les conversations entre les deux partis n'avaient pas abouti pour déterminer une position unique de l'ensemble de la gauche à propos de ce référendum. Et Guy Clès, on a l'impression ce matin que chacun rejette un petit peu la responsabilité sur l'autre de la désunion de la gauche au référendum. Oui, on finit par se demander si ça ne va pas tourner un peu au règlement de compte, ces discussions. Car tout en affirmant ne pas vouloir faire de polémique, chacun en fait accuse effectivement l'autre d'être le responsable de la désunion de la gauche devant ce référendum du 23 avril. Dès dimanche soir, après la convention de Suresnes, M. François Mitterrand avait dit « Je suis convaincu que la proposition socialiste de refus de vote ou d'abstention était la seule capable de faire l'union de la gauche et le Parti communiste ne l'a pas voulu ». Voilà ce que disait M. Mitterrand. Ce matin, l'Humanité contre-attaque en publiant le calendrier ou l'agenda des conversations qui ont eu lieu entre les dirigeants socialistes et communistes du jeudi 16 mars et date de la conférence de presse du président Pompidou, au jeudi suivant, 23 mars. Vous voyez, c'est un long document qui tient les deux tiers d'une page de l'Humanité. Ça part du jeudi 16 mars, 16h30, et ça s'arrête à 18h45, le jeudi 23 mars, au moment de la décision du comité central. Il ressort de ce calendrier que, dès le début, les communistes n'avaient pas caché aux socialistes qu'ils étaient fermement partisans du non. Monsieur Marchais lui-même l'aurait dit à Monsieur Mitterrand au cours d'une rencontre en tête-à-tête le lundi 20 mars. Monsieur Mitterrand, lui, aurait confirmé qu'il était partisan de l'abstention. Les deux leaders auraient alors convenu que chaque parti rédigerait un texte pour expliquer sa position. Et il aurait été convenu aussi que chacun garderait le silence en attendant pour ne pas compromettre les chances d'un accord. Là-dessus, le mardi soir, Monsieur Mitterrand tient une conférence de presse. Et les communistes, toujours selon la version de l'Humanité, découvrent le mercredi, en lisant les journaux, que les socialistes se sont prononcés ouvertement pour l'abstention. En somme, si je comprends bien, les communistes reprochent aux socialistes de ne pas avoir tenu parole et aussi, d'une certaine façon, de leur avoir forcé la main en annonçant... D'avoir essayé, en tout cas. D'avoir essayé de leur forcer la main en annonçant qu'ils s'abstiendraient. Oui, mais c'est... pas le point de vue des socialistes. Non, bien sûr. D'ailleurs, la version des socialistes, on ne tardera pas à la connaître, car le secrétariat national du Parti socialiste vient d'annoncer qu'il publierait cette version dans le prochain numéro de son hebdomadaire, l'Unité. Mais d'ores et déjà, d'après ce que l'on sait, les socialistes disent que la version de l'Humanité est inexacte sur plusieurs points importants. En fait, les socialistes affirment qu'ils ont toujours eu l'impression qu'un accord était possible sur l'abstention, que M. Marchais et les dirigeants communistes ne leur ont jamais dit clairement qu'ils étaient fermement et définitivement décidés à voter non, et que la véritable rupture a donc été provoquée par la décision brutale et sans appel du comité central le jeudi 23 mars à 18h45. Voilà où on en est, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations entre les socialistes et les communistes ne s'améliorent pas, qu'elles vont même plutôt en se détériorant de jour en jour. Cela dit, une rencontre est prévue toujours pour discuter du programme commun de gouvernement entre les deux parties, mais le moins qu'on puisse dire encore, c'est qu'elle va s'engager dans un climat peu propice et même assez difficile. Dans le domaine social, je ne reviens pas sur l'accord qui a été signé hier entre le patronat et l'ensemble des syndicats et qui va permettre aux chômeurs de plus de 60 ans de prendre une pré-retraite qui pourra atteindre jusqu'à 70% de leur salaire. Cela dit, il y a deux conflits localisés qui semblent en voie de règlement. À Nantes, d'abord, aux établissements Paris, où il y a eu des incidents hier entre ouvriers et forces de l'ordre. Le calme est revenu ce matin, mais le conflit là n'est pas réglé. Et à Mulhouse, aux usines Peugeot, là, le conflit est réglé. Le travail a repris normalement ce matin, mais il semble que les syndicats ne soient pas d'accord. En effet, Force ouvrière, la CFDT et la CFT reprochent, semble-t-il, à la CGT d'avoir de s'être désolidarisé du mouvement au milieu de la grève. Un reportage sur ce mouvement de grève aux usines Peugeot à Mulhouse, fait par notre station de Strasbourg. Reportage réalisé par Jérôme Bellet et par Michel Goujon. La grève est terminée chez Peugeot Mulhouse, mais les syndicats n'ont pas abandonné pour autant leurs revendications. Les 7800 ouvriers de l'usine alsacienne étaient bien tous à leur poste de travail ce matin. C'est le résultat d'une consultation de la base hier qui a mis fin à cette grève de 21 jours. Mais l'intersyndicale affirme dans son dernier communiqué
que le mécontentement n'a pas disparu et que seules des raisons financières ont fait que les grévistes ont repris le travail. En fait et surtout, ce mouvement avait rapidement dégénéré, on parlait déjà de l'affaire Peugeot. Au départ des revendications salariales, les syndicats réclamaient une augmentation uniforme de 150 francs par mois. La direction y avait opposé un refus, sans doute afin de ne pas créer de précédent face aux autres usines de la firme. D'autant que l'unité de Mulhouse est un peu l'unité de pointe de Peugeot. Elle emploiera 22 000 ouvriers d'ici 1975 et prépare actuellement la sortie de la 104, la dernière née de chez Peugeot. Et puis le 20 mars, les choses ont mal tourné, des bagarres ont éclaté au sein de l'usine, des piquets de grève avaient été attaqués à coups de gourdin par un commando, et certains grévistes avaient interdit l'accès de l'usine à des non-grévistes. Le 20 mars, quand nos grévistes se sont présentés devant la porte de l'usine, ils ont été attaqués par un commando venant de l'intérieur de l'usine. Et c'est ceci qui a provoqué en fait la révolte justifiée des travailleurs qui alors, dans cette même journée, l'après-midi, ont mis un piquet de grève pour bloquer en sorte l'usine. La direction a cherché cette provocation pour en fin de compte piquer au hasard un certain nombre de travailleurs pour vraiment influencer le déroulement des opérations. Vous dites au hasard, mais je crois qu'il y a eu des délégués syndicaux qui ont été licenciés. Il y a eu, avec 11 travailleurs, également des délégués syndicaux et des responsables de sections syndicales. Il y a eu 3 délégués CFDT de licenciés, il y a eu 3 délégués CGT et un délégué FO. Pour la direction de Peugeot, le commando qui avait provoqué ces bagarres était étranger à l'usine. On reste très sensibilisé à ce genre d'affaires depuis les incidents de chez Renault qui ont coûté la vie à Pierre Auvernet. Quant aux licenciés, ils ne l'ont pas été, affirme la direction, en raison de leur activité syndicale, mais pour entrave à la liberté du travail. 11 autres licenciements avaient d'ailleurs été prononcés, en plus de ceux des délégués syndicaux. Est-ce que ces personnes licenciées seront réintégrées au sein de l'entreprise ? Je ne vous fais pas part pour l'instant. Je réserve au comité d'établissement la connaissance de mes décisions. En tout cas, des décisions sont prises sur leur sort. Oui. Depuis hier, la direction est revenue sur 8 licenciements, dont ceux des 3 délégués CGT. Les cas des autres licenciés, 6 ouvriers et 4 syndicalistes, sont examinés par l'inspection du travail et les prud'hommes. Aujourd'hui, cette affaire de licenciement a largement pris le pas sur les revendications salariales qui étaient à l'origine du conflit. Depuis ce matin, les ménagères de Valenciennes, à condition bien sûr qu'elles aient une voiture, ont plus vite fait d'aller faire leurs courses à Bruxelles plutôt qu'à Lille. C'est en effet ce matin qu'ont été ouverts les 36 km de l'autoroute allant de Ordin jusqu'à la frontière belge et qui constitue une partie de cette fameuse autoroute Paris-Bruxelles. D'ailleurs, normalement, si les travaux vont normalement jusqu'à leur terme, à la fin de l'année, on devrait pouvoir aller en voiture directement de Paris à Bruxelles en passant par l'autoroute. Ce matin, nos camarades de la station de Lille sont allés, caméra en main, reconnaître ces 35 km d'autoroute nouveau. Le réseau autoroutier français compte donc depuis ce matin une quarantaine de kilomètres de plus. 36 kilomètres exactement, entre Ordin dans le Valenciennois, département du Nord, et la frontière belge en direction de Bruxelles. Cette section de l'autoroute A2 avait été mise en chantier en avril 68. Coût de l'opération, 261 millions de francs, financés en majeure partie par le Fonds spécial d'investissement routier. En majeure partie, en gros 80%, le reste étant assuré par les collectivités locales. Au total, 40 ouvrages d'art, 1 au kilomètre, c'est une forte moyenne, les plus importants se situant à Trissin-Léger et à Rouvigny. Un détail qui compte pour les usagers, pas de péage sur cette section d'autoroute qui doit assurer le désenclavement du Valenciennois sur la Belgique et sur l'Allemagne. Du côté belge, 6 km ont été ouverts aujourd'hui à la circulation, 6 km sur une seule chaussée, au mois de mai on ira jusqu'à Mons, en septembre jusqu'à Bruxelles. Quant à la liaison Paris-Bruxelles longue de 300 km par autoroute, elle devrait être ouverte dans le courant de l'année prochaine. En voiture, Manneken Piste ne serait plus qu'à 2h30 des bords de la Seine. Oui, donc nos camarades de Lille sont moins optimistes que moi et disent ouverture l'année prochaine de l'autoroute Paris-Bruxelles définitive. Irlande du Nord, la grève déclenchée hier par les extrémistes protestants a parfaitement réussi, mais on ne peut pas dire pour autant que la politique de M. Heath, le premier britannique, est échouée. En effet, le premier britannique va se présenter cet après-midi aux communes pour la seconde lecture sur son projet de loi d'administration directe d'Irlande du Nord. M. Heath va se présenter aux communes en ayant gagné la première manche. En effet,
il n'y a pas eu de violence généralisée en Irlande du Nord depuis les décisions de Monsieur Hiss. Pierre Champetier. Non, il n'y a pas eu de violence, mais la grève a été suivie hier en Irlande. Plus d'un million de travailleurs protestants ont déserté leurs usines, leurs magasins, et toute la vie économique de l'Irlande du Nord a été paralysée pendant une journée. Pas d'avion, pas de train, pas de téléphone, de longues coupures de courant. Le mouvement de grève se poursuit aujourd'hui avec la même ampleur qu'hier, et les grévistes se sont rendus ce matin encore au Stortmont, où le Parlement va tenir probablement son ultime séance. En abandonnant leur travail, en descendant dans la rue, les extrémistes protestants marquent leur opposition à l'initiative britannique d'administrer directement pendant un an la province de l'Ulster. Les hommes du mouvement Vanguard, entraînés par leur leader William Craig, sont décidés à se dresser contre ce qu'ils appellent la trahison de Londres. Ils ont l'intention, bien arrêtée, de boycotter la nouvelle administration de l'Ulster. Côté catholique, on laisse les protestants manifester avec une certaine indifférence. Pour la partie catholique, les magasins sont restés ouverts. L'IRA, l'armée républicaine clandestine, semble même disposée à mettre une sourdine à ses activités, encore qu'elle ait démenti catégoriquement avoir décrété une trêve. Et pour appuyer ce démenti, il y a encore eu hier une explosion à Belfast, une blanchisserie qui a sauté au centre de la ville, mais pas de victimes. Aujourd'hui, à Londres, comme vous l'avez dit, le Parlement étudie pour la seconde fois le projet de loi introduisant l'administration directe en Ulster. Un projet qui prendra force de loi avant jeudi et qui, on l'espère à Londres, doit permettre au proconsul Whitelaw de mener à bien sa mission en Irlande. Avant d'en venir au sport, rapidement le reste de l'actualité. D'abord à l'étranger, les révolutionnaires argentins, une nouvelle fois, ont repoussé l'ultimatum à propos de M. Sallustro, le directeur de Fiat qu'ils ont enlevé, mais on est sans nouvelles de M. Sallustro, on ne sait même pas s'il est toujours vivant. Pas de nouvelles non plus ce matin des trois techniciens britanniques qui ont été enlevés en Turquie par des jeunes gens d'extrême gauche qui réclament la libération de trois de leurs camarades condamnés à mort. Hussein de Jordanie, le roi, est en ce moment à Washington. Il repassera probablement par Paris où il passera deux ou trois jours en visite privée. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que se déroulent en Cisjordanie les premières élections municipales depuis 8 ans, Cisjordanie toujours sous contrôle israélien. Optimisme ce matin, optimisme et sourire à Helsinki pour la 7e session entre Américains et Soviétiques qui débattent de la limitation des armements nucléaires stratégiques. Le président Nixon pourrait en effet signer l'accord au cours de son voyage à Moscou le mois prochain. En France, drame de la montagne à Chamonix, deux alpinistes ont dévissé sur la face nord de l'aiguille du Midi. Ils ont fait une chute de 1000 mètres. Les deux alpinistes, dont on ne connaît pas encore l'identité, ont été retrouvés ce matin par des employés du téléphérique. Pour la première fois, un sélacanthe, vous en voyez une photographie derrière moi, un sélacanthe, le plus vieux poisson du monde, a été capturé vivant au large des Comores. C'est une jeune femelle de 10 kilos qui mesure 90 cm et qui est venue se prendre dans les filets d'une expédition franco-anglo-américaine qui mouille en ce moment au large des Comores. Enfin, Johnny Hallyday à la une de France Soir aujourd'hui, mais ça n'est pas à la suite d'un nouveau récital. Johnny, en effet, remontait les Champs-Élysées hier après-midi en voiture. Il a, semble-t-il, confondu feu rouge et feu vert, ou en tout cas feu rouge et feu orange. Quelques mots avec les agents de la force publique, et puis Johnny a joué la file de l'air, il s'est ravisé, il est allé au commissariat, on l'a entendu, et vous le voyez là, il est sorti du commissariat, l'air un peu triomphant. Peut-être un peu trop, car cette affaire pourrait se terminer devant un tribunal, puisque tout de même un agent a été légèrement blessé. Et ceci nous amène évidemment tout directement au Palais des Sports et à la boxe, où hier soir, Max Cohen rencontrait un Américain peu connu en France qui s'appelle Monroe. Cohen a gagné, mais vous allez le voir avec Georges Dominique, c'est une victoire tout de même très contestable et très contestée. Ce combat a eu lieu devant un public réduit, ce qui offre l'avantage, c'est qu'il est composé de connaisseurs. D'entrée, la différence de style résultant de la morphologie des deux hommes est évidente. Willie Monroe, plus grand, plus délié, avantagé par une allonge supérieure, place souvent son direct du gauche. Max Cohen, bien couvert, plus ramassé, riposte des deux mains et doit chercher le combat de près. Nous sommes au troisième rang. Jusqu'ici, le combat est légèrement à l'avantage de l'Américain, parti plus rapidement. Surveillez bien la droite de Monroe, qu'il ne lâche pas souvent d'ailleurs, mais qui dans quelques instants va atteindre Cohen et le précipiter au tapis.
Et voilà, une feinte du gauche, une droite terrible. Cohen se relève presque immédiatement. Il est compté 9 par l'arbitre. Et il va reprendre le combat. Et là, pour terminer ce round, Cohen utilisera tout son métier, qui est grand. Il arrive à neutraliser toute la fougue de l'Américain. Il faut préciser que Willie Monroe avait disputé un combat il y a 5 jours de cela. 10e et dernière reprise, on pense que Monroe a gagné. On pense qu'il a conservé les 2 points acquis lors du 3e round. Les juges apprécient autrement. Ils déclarent Max Cohen vainqueur, récompensant sa veillance et son art pour neutraliser le jeune Américain qui va être sûrement un très 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 grand espoir. Nous avons retrouvé Max Cohen au vestiaire. Max, le combat est terminé, vous avez gagné une fois de plus, vous avez rencontré ce qu'on appelle dans le jargon du métier un os. Comme d'habitude. Au début, est-ce que vous avez des difficultés avec lui à cause de son allonge? Oh, c'est-à-dire au départ, pendant les 3 premiers rounds, comme il était lucide et tout. Mais après, je l'ai eu, disons, à l'usure, parce que j'étais bien entraîné comme d'habitude d'ailleurs, comme tous mes combats. Et d'ailleurs, vous avez vu, à partir du 6-7e round, j'ai fait cavalier seul. Il n'en pouvait plus, et quand il s'accrochait, il me tirait, c'est lui qui me disait « finish, stop and, pour séparer ». Alors vous voyez que, et puis attention, c'est un garçon qu'il ne faut pas prendre ni sa droite ni sa gauche. Vous avez eu peur au 3e round, hein? J'ai été touché, mais j'ai pas eu peur, d'ailleurs j'ai fait signe à Monsieur Roger du calme. Alors, donc j'étais lucide encore. Ben, ce soir, j'aurais préféré rencontrer Griffith Boutier ou celui-là, parce que celui-là, il a plus de métier, plus grand, plus d'allonge, et plus lucide, d'ailleurs vous l'avez vu. Et puis, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Alors, il ne faut pas en prendre, hein. Vous pensez maintenant que vous allez avoir Boutier ou Griffith? Ah bah, j'espère que ce monsieur va se décider, hein. Parce que depuis le temps qu'il fuit... Depuis le temps qu'on lui lance des défis. Parce que pour la suprématie nationale, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait. Avant, il y avait Mazengi et Benvenuti, on mettait toujours Mazengi à soi à la touche. J'ai l'impression que c'est pareil pour moi, hein. Bon, Boutier s'appelle Jean-Claude, moi je m'appelle Cohen. Mais qu'on en finisse quand même, cette politique. Le sport, c'est pas une politique. Beaucoup de punch, ce Cohen. Et c'était Pierre Cangioni qui était au bord du ring. Vous l'avez reconnu, ce n'était pas Georges Demy. Un tour rapide à la Bourse de Paris pour la tendance avant de rejoindre nos invités pour Hebdo Midi Affaires. Michel Tardieu, est-ce que c'est toujours l'euphorie comme hier à la Bourse? Non, la Bourse est nettement moins bonne qu'hier. Elle est plus irrégulière et l'or est en baisse. Et je crois que les deux tiennent un petit peu aux événements monétaires. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Paul Volcker, le sous-secrétaire au Trésor américain, est à Paris, au Château de la Muette, où il discute actuellement avec les Européens. On est là pour parler de la réforme du système monétaire international et les Américains semblent dresser un certain nombre d'obstacles de procédure. Ils voudraient détruire le groupe des 10 parce qu'ils se trouvent trop face à face à un front commun des Européens et des Japonais contre les États-Unis. Et ils suscitent toute une série de problèmes pour que les 10 soient remplacés par des 20 avec des pays sous-développés, ce qui leur permettrait peut-être de diviser plus facilement leurs adversaires. Et il y a une menace nouvelle. M. Connelly, le secrétaire lui au Trésor américain, a dit hier que les États-Unis pourraient bien vendre une partie de leur stock d'or. Alors on se demande si c'est une pression pour aider M. Volcker dans ses négociations. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure, ça a eu des répercussions sur le marché de l'or où les gens ont vendu un petit peu de peur que les Américains mettent leurs menaces à exécution. Mais à tout à l'heure pour les cours. A tout à l'heure, Michel Tardieu, et de la Bourse aux affaires, sans qu'il soit nécessaire de faire une transition. Hebdo Midi Affaires, Olivier, c'est à vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, la fin des OS, avec, je tire votre attention là-dessus, un point d'interrogation à la fin. Car ce sera tout le problème et tout le débat que nous allons engager tout à l'heure. Souvenez-vous, il y a un an, le Mans, les OS du Mans se mettent en grève car ils se révoltent contre leurs machines. Ils lançaient en France la première grève du genre, mais le problème n'est pas français, il est international. Partout aux États-Unis, en Hollande, en Suède, en Italie, les ouvriers se révoltent contre la chaîne. Certes, la chaîne a permis de fabriquer mieux et à moins cher. Mais après tout, maintenant, on se pose la question et on n'en est pas très sûr. Et un peu partout, des industriels, des économistes essaient de résoudre le problème. Nous allons aborder cette discussion tout à l'heure avec 3 invités, M. Jean Nédinger, qui représente ici le CNPF, M. Jean-Louis Moineau, qui représente la CGT, et Pierre Rossi, de Force ouvrière. Mais avant d'engager le débat, nous allons nous rendre avec Philippe Gallard dans 3 usines, au Mans, à Dreux et à Nogent-le-Rotrou,
pour voir comment en France on envisage la fin des OS. Voici une chaîne classique. Depuis Henry Ford, mais aussi depuis Charlot et les temps modernes, on connaît ces grands principes. Pour chaque ouvrier, un travail très court, un travail en miettes, dont la cadence est donnée automatiquement, impitoyablement, par l'avancement du produit, ici les éléments d'un téléviseur, le long d'une ligne de production. On a cru longtemps que c'était la méthode la plus efficace, parce que la plus rationnelle, mais l'homme-machine aujourd'hui se rebiffe. Difficultés d'embauche, rotation rapide du personnel, absence répétée, déchets de productions importants et aussi, comme dans cette ville du Mans où ont été tournées ces images, grève d'OS provoquée par la nature du travail, la mécanique paraît en train de s'enrayer. Aussi cherche-t-on à en sortir. Dans le groupe Philips, aux usines radiotechniques, on le laissait depuis 15 ans et c'est là sans doute que l'on a le plus avancé. Voici pour les mêmes opérations la nouvelle ambiance. Des plantes vertes, beaucoup de plantes vertes, des postes de travail mieux conçus et surtout plus de chaînes mécaniques. Ce sont les ouvrières elles-mêmes, que l'on appelle ici des opératrices, qui se passent de l'une à l'autre les produits en cours de montage. De même, pour le réglage, les téléviseurs ont troqué le tapis roulant collectif contre le chariot individuel. Et à la place de la ligne de travail unique, plusieurs groupes de production où la tâche de chacun se trouve, selon la direction, sensiblement allongée. Par exemple, des groupes de 40 personnes assurent le montage et le réglage des postes qui exigeaient auparavant le travail très morcelé de 100 personnes. Cela donne cette image d'un atelier très éclaté, apparemment très confus. Cela donne aussi, pour assurer le rythme de la production, la formule du rendement concerté, rendement qui est l'objet d'un contrat conclu chaque mois par le groupe. Naturellement, pour calculer le contrat, je prends la moyenne du mois précédent, je prends cette période-là, de 3 à 4 ou plus, et la moyenne, vous avez fait, sauf erreur de ma part, 1,07. Chaque mois, le groupe est informé des résultats de sa production en qualité et en quantité. Au cours de cette réunion, il devra décider de ses objectifs pour le mois à venir, c'est-à-dire d'un rythme de travail et d'un niveau de qualité moyen. Le groupe peut ainsi renouveler le contrat précédent ou en prendre un nouveau. Une prime mensuelle assez faible par rapport au salaire fixe est liée à la progression de ses résultats. Cette prime est versée même si l'objectif n'est pas atteint le premier mois, mais ensuite on doit atteindre son objectif ou le reconsidérer. On ne fait même pas pour l'instant, alors. Une autre clause aussi quand même qui est intéressante, c'est pas qu'on veut vous faire, hein, on veut en faire, plus, hein, c'est vous qui choisissez. On n'est pas un bloc balayage frais quand même, c'est pas la question. Mais si vous prenez votre contrat, vous avez, même si vous ne l'avez pas réalisé, n'oubliez pas, votre garantie pour le mois d'avril. Mais vous pouvez également, si vous pensez pouvoir le réaliser, prendre dès maintenant un 34,5, comme M. Pinault a l'air de le vouloir, hein, et avoir votre garantie au mois d'après, si vraiment vous n'êtes pas tout à fait au contrat. Bon, alors, la majorité. Ces nouveautés nécessitent évidemment de nombreux changements dans l'organisation des usines, dans l'information du personnel, dans la formation des cadres. Comme toute innovation, elle comporte des risques. Pourquoi les avoir pris? Cela a toujours été un but en soi de rechercher du mieux qu'il est possible à concilier les exigences du travail industriel moderne et également de l'évolution de l'homme. C'est un état d'esprit justement de participation car au fond à l'heure actuelle l'amélioration des conditions de travail ne se chiffre plus ou ne se réalise plus par uniquement une amélioration technique des postes de travail mais également à tout ce qui est autour des postes de travail, tout ce qui définit au fond les conditions de vie dans l'entreprise.
les syndicats ne se sont pas opposés de front à ces nouvelles méthodes de production dans la mesure où ils leur reconnaissent un ou deux avantages, comme la régularité temporaire de la prime au rendement ou le plafonnement des cadences. Mais ils demeurent plus que sceptiques quant à leur portée véritable sur le travail et sur la condition de l'ouvrier spécialisé. Selon eux, on a surtout remplacé le cadence-mètre par l'autodiscipline de groupe. Pour nous, il n'y a pas de différence fondamentale entre le travail du surgroupe et le travail de chaîne. Le problème de cadence, le problème de la partialisation du travail est rigoureusement le même. On dit pourtant que les tâches ont été allongées. Les tâches ne sont pas allongées puisque la moyenne des cycles de travail tourne autour de 30 secondes. Ces cadences sont choisies par les groupes. Ces cadences sont choisies dans une fourchette assez étroite et de toute façon supérieure à la moyenne. Si la moyenne est l'activité 1, ces cadences, enfin la fourchette plus exactement, est calculée entre 1,25 et 1,40. Ce qui oblige les gens, de toute façon, à travailler au-dessus de la normale, à travailler plus vite que la normale. Au point de vue rémunération, quelle est la fourchette? Alors, pour 15% de travail en plus, la personne touchera 43 francs de plus par mois. Et pour 30% de travail en plus, elle touchera l'équivalent de 88 francs. Le contrat n'est qu'une carotte supplémentaire. Et le travail lui-même, comment verriez-vous de réelles améliorations? Alors, pour nous, il y a deux améliorations fondamentales. C'est l'abandon du système de rémunération au rendement, du travail au rendement, et l'abandon de la partialisation du travail telle qu'elle est faite. Mais c'est justement ce que semble rechercher la direction de cette usine. Pour nous, c'est un souci qui masque avant tout un désir de meilleure gestion. On peut dire que la radiotechnique sait gérer son affaire, on ne peut pas dire qu'elle humanise le travail de ses ouvriers. Et sur le plan de la production, est-ce que ça a eu des conséquences et dans quel sens? Sur le plan de la production, on peut dire que, bien que certains auteurs aient pu penser que ça risquait de porter un coup, disait-il, fatal à la productivité, je crois que, à l'expérience, quand ces améliorations des conditions de travail sont bien comprises, par tout le monde, y compris par le personnel, c'est au contraire, on obtient ainsi une meilleure compréhension des uns et des autres qui, récemment du reste, cela a été signalé dans une émission bien connue de tous, est finalement favorable pour la productivité. Nous allons maintenant passer à la partie du débat et tout d'abord je voudrais demander à M. Rossi, qui connaît bien les problèmes de la chaîne, est-ce que la situation est aussi grave qu'on le dit? Est-ce que vraiment la révolte des OS contre la chaîne est une révolte ouverte? Et est-ce que de nouvelles grèves des OS du Mans sont à attendre dans les semaines ou les mois qui viennent? La situation est très grave. Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater que malgré les promesses faites par le patronat et par le gouvernement afin d'aménager, voire d'améliorer les conditions de travail des ouvriers en chaîne, encore rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Ceci dit, c'est très difficile d'expliquer les conditions de travail, surtout pour un travailleur en chaîne. Mais nous pouvons constater que, à juste titre, les travailleurs, ils sont mécontents. Mécontents et des cadences, et des conditions de travail. Des cadences surtout qui sont poussées à un rythme on ne peut plus suivre. Et on se demande justement où c'est qu'on va atterrir à ce rythme-là. C'est un danger. Je ne peux pas discuter des cadences de travail d'une entreprise particulière, que ce soit la Régie Renault ou une autre entreprise. Je crois cependant que depuis un certain nombre d'années, tout particulièrement ces derniers mois, il y a dans tous les milieux patronaux, comme en témoigne la recherche qui est faite à la radiotechnique, mais qui est faite aussi dans beaucoup d'autres entreprises, un effort de réflexion pour améliorer d'une façon générale les conditions de travail du personnel ouvrier. Et pas seulement les questions de rythme, mais l'ensemble des problèmes qui tiennent à la condition des ouvriers en général et des ouvriers spécialisés en particulier. Alors bien sûr,
Tout ne peut pas se faire dans l'immédiat. D'abord parce que les expériences qui sont faites montrent que quelquefois que la solution à laquelle on a songé n'est pas bien accueillie par le personnel. Non pas pour des raisons de principe, mais c'est parce qu'on est obligé de procéder par des tâtonnements successifs. Mais je suis persuadé, quant à moi, que le mouvement a été donné et que progressivement, on verra les effets de cet effort de réflexion qui est entrepris d'une façon très générale dans les milieux patronaux. Bon, le problème, finalement, tel qu'il se pose en ce qui concerne les OS, c'est plus ou moins un problème de formation. Jusqu'à maintenant, on a pu constater souvent que des gens qui ont des diplômes, qui ont un certain nombre de connaissances, arrivent dans une usine et ne peuvent être employés que comme OS et à la chaîne parce qu'on n'a pas d'autres débouchés pour eux. Ah, précisément, si vous le permettez, ce n'est pas seulement un problème de formation. C'est aussi un problème de formation, mais pas uniquement. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on assiste à de telles transformations comme celles que nous venons de voir dans le film que nous venons de regarder. C'est un signe... il y a beaucoup de gens qui s'étonneront peut-être de s'apercevoir qu'aujourd'hui, c'est le patronat qui se préoccupe officiellement d'humaniser les conditions de travail. C'est un curieux paradoxe, mais je crois que c'est un symbole des problèmes qui se posent à notre époque. Parce que les problèmes des conditions de travail sont devenus aujourd'hui tellement graves, tellement insupportables pour la plupart des travailleurs, que non seulement les travailleurs sont mécontents et le manifestent, mais même cela finit par mettre en cause la marche même des entreprises. Et si, comme le disait M. Nedinger tout à l'heure, le patronat se préoccupe de réfléchir sur ces questions, ça n'est pas du tout parce qu'il veut améliorer ou humaniser la situation des travailleurs, mais tout simplement parce que la gravité des conditions de travail est telle qu'elle met en cause aujourd'hui la possibilité pour le patronat de réaliser des profits. Alors je crois que c'est ça que nous devons retenir de la situation actuelle, et je dois ajouter que si le patronat semble se poser des tas de questions sur le système d'organisation qui est le meilleur, il ne semble pas se poser beaucoup de questions sur la charge de travail qui pèse sur les travailleurs et sur l'intensité qui devient de plus en plus intolérable. À notre sens, le patronat n'est pas attaché à un système d'organisation plutôt qu'à un autre. Simplement, quand il y en a un qui a atteint ses limites et qui, visiblement, est tellement intolérable pour les travailleurs qu'il ne peut plus fonctionner, eh bien, il envisage comment il peut modifier les choses. Mais il le fait tout en essayant d'accentuer la pression sur les travailleurs. C'est un procès de tendance. Je pourrais parfaitement répondre à ce procès de tendance, et notamment dire à M. Moineau, qui a beaucoup de sympathie, à ma connaissance, pour la société socialiste, qu'en Russie soviétique, on fait exactement les mêmes recherches en ce qui concerne le travail. On s'aperçoit aussi en Union soviétique qu'il y a des problèmes à reconsidérer au point de vue des méthodes, au point de vue de l'organisation du travail, qu'il faut essayer de rompre la monotonie du travail, et que quand dans une usine comme celle de la Belle Aurore, qui est une usine de textile, on fait des recherches dans ce domaine, elles ressemblent étrangement, pour ne pas dire qu'elles sont identiques dans leur inspiration, à celles qui sont effectuées dans des entreprises françaises ou du monde occidental. Alors est-ce que je dois faire moi aussi un procès de tendance et dire que la société socialiste à son tour, ou comme nous, puisque vous prétendez que c'est le cas, s'efforce d'augmenter le rendement des entreprises, qu'on appelle là-bas l'efficacité du travail, mais vous savez, la mesure de l'efficacité du travail est la même dans toutes les économies industrielles. Je voudrais quand même en revenir à la question... Si vous permettez, je voudrais tout de même dire un mot à ce sujet. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un procès de tendance. D'abord, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'il y a des problèmes techniques d'organisation. Et ça, c'est une chose réelle. Nous ne le nions pas. Ce que j'ai dit simplement, c'est que, ici, et nous sommes en France, le patronat n'est pas attaché à une forme technique ou à une forme d'organisation plutôt qu'à une autre, mais qu'il est attaché à celle qui est la plus rentable pour la rentabilité du capital des entreprises. Et je ne crois pas que ce soit que M. Nedinger me démentira sur ce point. Le second point, c'est que si effectivement on se pose ces problèmes dans les pays socialistes, eh bien on se les pose avec une toute autre démarche. On se les pose pour augmenter l'efficacité de la production,
Mais je ne crois pas que dans les pays socialistes, on puisse dire que les travailleurs sont soumis à des conditions de travail aussi pénibles que celles qu'ils subissent en France. Je crois que les problèmes sont d'une nature tout à fait différente. Les recherches sont les mêmes, en tout cas. Et pour les mêmes raisons. Les aspects techniques des recherches. Non, mais alors, pas les aspects je crois techniques. Quand même qu'en ce qui concerne la chaîne, elle a été, comme je le disais tout à l'heure, peut-être utile à une période où la formation des ouvriers était pratiquement nulle et où on pouvait se sortir du problème en leur apprenant un geste simple. Or, nous sommes dans un pays en évolution assez rapide et la formation des gens qui travaillent en usine a quand même eu une certaine évolution. Alors, la question se pose maintenant, dans combien de temps pourra-t-on abandonner le système de la chaîne? Est-ce que c'est dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 10 ans? Pour le moment, il semble que les choses aillent très très lentement. Il est évident qu'il faudra du temps pour repenser l'ensemble des problèmes d'organisation du travail. Les méthodes Taylor ont été efficaces, elles ont permis un développement de l'industrie qui est important et qui a été au bénéfice de tout le monde par l'amélioration des conditions générales de vie, mais il est évident que reprendre d'autres méthodes, ça exige du temps. On a constaté par exemple qu'il était beaucoup plus facile lorsqu'on construit une usine neuve de repenser le problème des chaînes et de faire éclater les chaînes, casser les chaînes comme on dit quelquefois, que quand c'est dans une usine en chaîne. Il y a donc des problèmes d'investissement à faire, d'investissement quelquefois immobilier. Il y a aussi un effort de recherche intellectuelle très grand à accomplir pour voir dans quelle mesure on peut humaniser davantage les conditions de travail sans pour autant démolir complètement l'efficacité des entreprises. Mais ça, je suis persuadé que les deux objectifs sont conciliables et que pour une part déjà, certaines expériences françaises ou étrangères montrent que la conciliation s'est faite entre les deux nécessités. Tout à l'heure dans le film, on a pu constater que les syndicats n'étaient pas spécialement coopératifs, du moins un peu frais. Quelles sont les raisons profondes de cette méfiance? Avant tout, si vous permettez, je voudrais poser une question au représentant du patronat. Qu'est-ce que vous appelez d'abord humaniser les conditions de travail? C'est que le travail donne plus de satisfaction à celui qui l'accomplit. Malheureusement, on assiste encore maintenant à des scènes invraisemblables, des scènes qui ne doivent plus exister en 1972. On voit des ouvriers qui sont obligés encore de lever le doigt pour aller pouvoir satisfaire leurs besoins personnels. Alors nous, on estime qu'à l'époque actuelle, on ne doit plus voir des choses pareilles. Nous sommes bien d'accord. Nous en sommes bien d'accord et nous sommes tout à fait d'accord pour que tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là, je connais des usines où il y a de nombreux assouplissements qui ont déjà été apportés dans la rigidité. Ce qu'on peut reprocher au travail en chaîne, c'est une certaine rigidité. Bon, cette notion de rigidité doit être rompue et il doit y avoir une amélioration des postes de travail partout où ils doivent être améliorés effectivement. Parce que je voudrais quand même faire une observation de plus générale. Nous avons 15 millions de salariés en France. Les 15 millions de salariés ne travaillent pas dans les conditions qui sont quelquefois soulignées. Ce n'est pas l'ensemble du personnel. Si vous le permettez, sur cette question... Je sais que M. Moineau va m'expliquer que quand on allège la pénibilité du travail, c'est aux dépens d'une fatigue nerveuse. Alors les gens sont toujours surexploités, sont toujours... Si vous le permettez, M. Nédinger, laissez-moi le bénéfice d'exposer moi-même les positions de la CGT sur cette question. Je vous en prie. Bon. On a dit que les syndicats n'étaient pas coopératifs à l'égard de ces nouvelles méthodes. Il ne faut pas confondre. Il y a un aspect technique dans ces méthodes et nous ne sommes pas du tout opposés à ce qu'on essaye d'améliorer le contenu technique du travail. Ça n'est pas du tout une chose négative en soi. Ce que nous disons, c'est premièrement que ça n'est pas possible dans tous les cas et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il ne faut pas faire trop de bruit et trop de cinéma autour d'une soi-disant disparition des OS parce que ça n'est pas demain la veille. Et d'autre part, s'il n'est pas possible de changer tout du jour au lendemain, eh bien il y a un certain nombre de choses qu'il est possible de changer tout de suite. Et même dans les cas où il n'y a pas de possibilité de modifier fondamentalement l'organisation du travail, il est possible de réduire les cadences, de réduire la charge de travail et de créer des conditions meilleures pour la santé des travailleurs, de donner des droits de regard et de contrôle aux représentants syndicaux des travailleurs pour veiller à ce que les normes ne soient pas inhumaines,
de prendre des mesures en matière de formation professionnelle pour que les ouvriers spécialisés, et pas seulement les ouvriers spécialisés, parce qu'il y a aussi d'autres catégories qui sont soumises à des conditions de travail très pénibles, aient des possibilités de promotion, et d'avoir aussi des systèmes de salaire qui permettent que les travailleurs ne soient pas assujettis, en ce qui concerne leur rémunération, à une pression constante des cadences qu'on veut leur imposer. C'est cela que la CGT veut obtenir. Elle a avancé d'ailleurs, pour ce faire, un ensemble de propositions et de revendications qui ont fait l'objet d'un document qu'elle a publié récemment. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps d'aller plus loin dans la discussion. Vous voyez que le problème est grave et qu'on aurait pu continuer assez longtemps, mais je crois que maintenant il faut retourner à la bourse pour la cotation des valeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, la bourse est nettement plus irrégulière qu'hier et l'un des sujets de préoccupation principaux, ce sont précisément ces articles publié ce matin dans la presse américaine, annonçant que M. Connelly, secrétaire au Trésor, avait envie de vendre une partie des stocks d'or américains pour montrer que les Américains seraient décidés à démonétiser le métal précieux et donc à institutionnaliser l'inconvertibilité du dollar en or, puisque les Américains, en vendant leurs stocks, montreraient que l'or n'a pas plus de valeur qu'une autre matière première. Jusqu'ici, un tel projet s'opposait aux militaires du Pentagone, car les militaires considéraient que pour des raisons stratégiques, il fallait conserver une réserve d'or de l'ordre de 10 milliards de dollars. Ceci pour ce que, en cas de troubles importants et à plus forte raison en cas de guerre, l'or est toujours une valeur sûre et une monnaie sûre. Eh bien, M. Connelly, malgré l'opposition donc des militaires, a évoqué la possibilité de vendre. Alors vous avez vu que ça a eu des résultats, des répercussions sur le marché de l'or à Paris, des répercussions qui n'ont rien de dramatique, car les baisses sont limitées, vous l'avez constaté, mais en tout cas, ça a suffi pour dissuader un certain nombre d'opérateurs de prendre position sur le marché de l'or. Et il faudra attendre, bien sûr, pour savoir si ces intentions prêtées à la trésorerie américaine sont sérieuses ou pas. En tout cas, cela a suffi également pour faire baisser encore légèrement le dollar ce matin sur la plupart des places internationales. Et de nouveau, un peu partout, on se demande un petit peu quelle va être la suite des événements monétaires. D'autant plus que ce matin, une grande société américaine, la General Electric, a publié des prévisions sur l'économie américaine dans lesquelles elle parle d'une nouvelle dévaluation du dollar et un certain nombre de milieux industriels américains parlent de cette nouvelle dévaluation du dollar. Alors les dates varient bien évidemment, mais cela semble acquis pour beaucoup de patrons américains que le gouvernement américain sera obligé de procéder à une nouvelle dévaluation. Alors il est très difficile de savoir quelle est la part d'intoxication dans ces nombreuses déclarations et quelle est la part d'intention véritable, mais en tout cas cela suffit à créer un climat tout à fait incertain sur les marchés d'échange et à peser un petit peu non seulement sur les cours des monnaies, mais aussi sur les cours des valeurs, car les opérateurs n'aiment pas les incertitudes monétaires, bien évidemment. Pour finir, quelques hausses, car il y en a quand même. Le marché est irrégulier, je le répète, mais vous le voyez, il y a quand même des hausses assez sensibles dans un certain nombre de titres. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Étienne Mougeret. Merci Michel Tardieu. Pour terminer ce journal, comme d'habitude, la fête, le saint du jour. Bonne fête aujourd'hui à tous les Gontrans qui ne savent peut-être pas que leur patron était le fils de Clotaire, qu'il régna dans les années 500 sur l'Orléanais, la Bourgogne, le Berry et même, paraît-il, une partie de la Provence. Le roi Gontran était bon, c'est pourquoi il fut unanimement regretté par ses sujets lorsqu'il mourut à Chalon-sur-Saône le 28 mars 592. Mesdames et messieurs, notre journal est terminé. Je vous donne rendez-vous ce soir avec Joseph Pasteur à Télésoir et je vous remercie de nous avoir prêté attention.